pourquoi je vais jouer H. Maintenant. Tadam ! Tadam ! C'est pas magnifique ça ? Hein ? Qui l'a ? Personne. Très peu long. Très peu. On doit être 6 au monde à l'avoir. J'ai appris qu'ils le donnaient qu'aux super joueurs. Je sais pas pourquoi ils ont mis tant de temps à me le donner. Comment bien jouer H? Un peu comme j'avais fait comment jouer Terminator. Vous avez vu comment je suis trop fort avec H? Non mais sérieux là, le move que je viens de faire il est ouf quoi. Il y a un mec qui m'a confondu avec Bibou. Il m'a fait oh Bibou c'est toi. Non non c'est Mary. Alors là vous voyez cette ligne, ça s'appelle là. Si jamais il y a un ennemi ici maintenant, ça s'appelle au top en face du trou. Au top en face du trou. Je veux dire, non mais sérieux, il pouvait pas mieux comprendre le truc quand même. Il y avait un trou énorme là. Lui, il était là. Je reviens là-dessus, désolé parce que ça m'énerve un peu en fait. Et il était là, hein, ok, en train de regarder des trous. Tout. Moi, j'étais là, je venais de me faire tuer, tu vois. Bim, par le mec qui était ici donc. Donc je me fais. Non, faux, je dis de la merde. J'étais là, je me fais tuer par le mec qui était sur le ping. Lui, il était là en train de faire des trous, il me fait hey, c'est où? Il y a un trou ici, je lui dis au top. Donc déjà, il sait que c'est cette surface là. Tu vois, il sait que c'est cet étage. Au top, en face du trou. Tu vois. Donc, je veux dire, des trous à ce moment là, il n'y en avait qu'un. Au top, en face du trou. J'ai même dit couloir, tu vois. Donc ça veut dire que c'était dans le couloir. Top, couloir, en face du trou. Le trou, il est là. Le top, on y est. Le couloir, il est là. C'est tout ça, le couloir. Donc en face du trou, c'est pas ici, parce que là il n'est plus en face du trou. Là, à côté de la porte, il n'est plus vraiment en face du trou. Il est là, en face du trou, couloir. On peut t'ajouter en alors, Mary. En alors, on peut t'ajouter en alors. Ça veut dire quoi? Oh ce hitshot que j'ai mis. Oh là là. Regardez-moi ça, regardez, c'est merveilleux. Personne n'arrive à faire ce que je fais. Regardez. Bim! C'est dingue. Quick shot, bim dans la tête. Magnifique. Même moi je me surprends. J'ai super mal au dos. Truc de malade. Vraiment. Je sais pas ce que je me suis fait. Peut-être que je suis enceinte du dos. Et j'aime bien avoir une sensi aussi assez rapide pour pouvoir faire la technique de la chauve-souris. C'est très important. Regardez, là il y a un ennemi qui arrive. Chauve-souris, ça marche toujours, vous voyez. Chauve-souris, vous n'allez pas vous emmerder à viser pile poil la tête. Vous tirez dans une zone, c'est sûr de la toucher. Allez, chauve-souris. Hop. Voilà, vous faites des petits mouvements comme ça, ça marche toujours, je suis sûr. Il n'y a pas mieux comme technique. Wow, wow. Magnifique 360. Magnifique. Franchement, je m'épate. On peut pas monter là-dessus, c'est dommage. Parce qu'imagine, tu montes là-dessus. Le mec arrive, tu sais, il prend sa ligne comme ça, tac, 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 tac. Et là, il te voit pas directement, tu vois. Ou dans le creux de l'œil, il te voit, tu vois, mais... Le temps qu'il fasse ça, toi t'es déjà là. Ah bah si on peut. Oh j'ai inventé un truc. Là le mec il arrive. Et vous faites cut. Bon là j'ai foiré. Et cut. Bon là j'ai foiré. Et vous voyez ce que je veux dire? Non il faut être debout. Non j'ai encore foiré. Non merde c'est très difficile comme technique. Très peu de gens le font. Mais d'ailleurs personne ne le fait. Cut. Voilà. Et ça c'est dingue. J'invente des strats. Pas de problème. Je suis trop fort. Je pense que les Vitality dorénavant vont faire cette strat. Je suis sûr que dans le prochain match des Vitality, vous allez voir ma technique. C'est obligé. Chauve-souris. Ah, ça passe. Oh, je suis un monstre. Même moi, mes mouvements, mes pattes, vous avez vu ce double tir là. Bam, direct dans la tête. Non. Attendez, il me faut un peu de temps pour me remettre de mes émotions parce que là, je vous offre du spectacle depuis tout à l'heure. Je vous invoque des strats, Putain, vous êtes gâtés ce soir, les gars. Vous avez vu comment j'évite les balles IRL aussi? Et il m'a tiré dessus tout de suite, j'ai esquivé. Toujours bouger, c'est très important. En même temps que son personnage. Vous penchez à gauche, vous regardez à gauche.
Ouais. Là, ça m'a permis de le voir. En fait, quand vous faites ça, quand vous vous penchez en même temps que le personnage, ça vous offre en plus quelques millimètres de vue en plus par rapport à la façon dont on est penché dans le jeu. C'est-à-dire que là, si je fais ça, ok, je me penche, mais je vois pas plus. Mais si je fais ça, vous voyez mon mouvement de tête, regardez bien, l'axe. Regardez. Hop, je vois un peu mieux. Et pareil quand on se baisse. Quand je me baisse, tu vois, tu gardes le mouvement de la baissation. Voilà, c'est très important. Donc voilà, ce sont des petits tips. C'est cadeau, c'est pour vous. Et là, je sais, je devine au son qu'il y a quelqu'un juste derrière ça. Il ne sait pas que je suis là, lui. Parce que lui, l'ennemi, Pascal, il s'appelle Pascal, m'a pas entendu. Il sait pas que... Donc, moi, j'ai H. Elle a la particularité d'être rapide. Donc, ce que vous faites à ce moment-là, vous balancez une flash, ça. Et là, vous courez très vite parce que vous êtes H et vous êtes rapide. Vous allez derrière lui et vous restez tout le temps derrière lui. Voilà, vous restez tout le temps derrière lui. Tout le temps derrière lui. Hop, hop. Bon, au bout d'un moment, faut le tuer quand même. Parce que sinon, il peut se venger. Et ça, c'est des techniques. Ça, c'est des techniques professionnelles avec H. Donc, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Une fois que le mec est mort, retirez quelques balles dessus. On sait jamais. On sait jamais. Imagine, il y a un spasme, il se réveille, il appuie le doigt sur la gâchette et par réflexe et la balle va dans la tête. Vous savez pas, donc vous tuez le mec, il est mort, vous le retuez. Principe d'adéquation spontanée. Vous voyez, il est mort, je le retue. Là, il y a du C4, vous vous mettez à terre. Voilà, vous avez vu? Ça vous sauve la vie. Là, je serais resté debout, j'étais mort. La tête, elle serait partie là-bas, les bras là-bas. Ça aurait été horrible. J'ai entendu, grâce à mon casque, j'ai entendu la respiration du C4. Très important. Et là, hop, je m'allonge. Prenez le temps aussi avec H. Parce que H, on sait tous qu'elle est rapide. On sait qu'elle est rapide, elle est efficace, elle est tout ce qu'on veut. On le sait. Mais, de temps en temps, c'est bien de feinter l'ennemi. Comment feinter l'ennemi? Il sait que vous avez H, vous avez été droné, ils vous disent il y a une H, ça va rush. Et ben, vous les prenez à l'envers. C'est-à-dire que, au lieu de rusher, vous prenez votre temps allongé. Et vous chuchotez à vos mates. Surtout, pas les, ça les énerve pas, tu vois. Hey mate, I'm going to the cave à vin. Et là, tu vas tout doucement, tu vois. Tu prends ton temps, tu t'énerves pas. Ça sert à rien trop rusher. Là, les mecs, ils vont se dire en face. Qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ils vont se dire, putain, H, c'est bizarre, elle est... Il est quelle heure? Elle n'est pas déjà là. Qu'est-ce qui se passe? Et ça les déstabilise. Psychologiquement, là, vous êtes en train de travailler le brain de l'adversaire. Là, ils savent pas pourquoi. Là, à ce moment-là, vous faites une toute petite décale. Généralement, il y a une Mera ici. Hein. Vous faites une toute petite décale. Et normalement, il vous voit pas. Tu vois? Et là, vous faites ça. Vous faites un tir global. J'appelle ça un tir global. C'est-à-dire que, au moment où vous rentrez, on va refaire. Au moment où vous rentrez. Vous savez pas vraiment où est l'ennemi, vous savez qu'il y a eu un mouvement derrière, qu'il y a peut-être un mec ici. Bah, grâce au tir global, vous globalisez tout. C'est-à-dire que... Voilà, pas besoin de... Et là, il y en a bien un qui va se bouffer une tête, c'est obligatoire. Voilà. Le mec qui attendait là, le mec, il se dit déjà, il y a H qui va courir. Il s'attend pas à voir arriver un petit ver de terre à deux à l'heure. Tu vois, il est là, comme ça, tu vois, il met son viseur comme ça pour garder la porte. Et là, d'un coup, il voit le ver de terre qui arrive. Mais trop tard, il y a un tir global. Le tir global, bim, le mec, il meurt. Toi, avec ta hache, hop, t'es au taquet, tu te relèves. Tu balances une flash là. Hein. Ici, tu tues le mec en attendant. Une fois que les mecs sont flashés, t'arrives, tu mets un high kick au mec qui est là. Hop, tu fais une roulade comme ça. Alors, c'est très important. C'est-à-dire, au moment où t'arrives ici, ça, c'est important. Au lieu de faire ça, et perdre ton temps, tu fais une roulade. Un 360, hop, tu vois. Le 360 te permet, c'est-à-dire que t'arrives là, de tout balayer. Et tu peux même, mais ça faut être très bon. Tu peux même, mec, réussir à faire un 360 tir global. Mais ça, on est très peu à le faire. C'est-à-dire, bon, faut que tes balles soient rechargées avant. C'est-à-dire qu'au moment où t'arrives, tir global, hop, 360, comme ça. Et ça, mon pote, s'ils sont 4 dans la salle, les 4, ils sont morts direct. Et ça, il n'y a qu'avec H que tu peux le faire. Le tir global, 360. Voilà. Donc, et méfiez-vous, hein, parce que comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il peut toujours y avoir quelqu'un là qui ait compris ma technique de tout à l'heure que je vous ai expliqué, la technique de la caisse à outils. C'est-à-dire que le mec attend là, hop, décale cut. Bon, là j'ai raté, mais le décale cut. Donc, le tir global te permet d'éliminer aussi
C'est le seul contre qu'il y a de ma technique. Voilà. Alors là, ce soir, je vous donne des techniques. Mary. Salut. Ça va? Oui, ça va. Excuse-moi pour le retard, poulet. Non, bah écoute, j'étais en train de leur expliquer comment jouer H ce soir. Ah, c'est... Donc là, j'ai un tuto. Franchement, les mecs, on va pas se mentir, on a un tuto. Les mecs, ils sont effarés. Je leur ai appris. T'es un monstre. Ouais, la technique du tir global, je leur ai expliqué.